Sainte-Catherine, en cette chapelle Notre-Dame de Lourdes, et un peu partout à travers les églises du monde entier, nous nous tournons avec Jésus dans ce récit où il se retrouve au désert et il subira des tentations par le malin. Et nous essaierons de voir ensemble ce que nous pouvons retenir de ce récit biblique. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour libérateur de Dieu Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le carême est un temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous accueille les bras grands ouverts et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc
je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Parole du Seigneur. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés, et les puissances. Parole du Seigneur. Thank you.
En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole du Seigneur. Vous savez que nous sommes en train de vivre une double quarantaine. Eh oui, il y a celle de la santé publique, où on doit se confiner, changer nos habitudes, être plus vigilant. Et si on est malade, se cloîtrer pendant 14 jours, on cherchera à ne pas être malade ou à rendre quelqu'un malade. Mais nous vivons depuis mercredi dernier, le mercredi des cendres, une autre quarantaine, celle du carême. En 40 jours, on prendra davantage de temps pour creuser notre relation à Dieu à travers le récit de Jésus, à travers sa vie. On cherchera, à travers les événements de notre actualité également, ce que nous vivons, à discerner la présence de Dieu. Ce sera le thème de notre carême, discerner la présence de Dieu. Les temps que nous vivons actuellement dans nos sociétés habituellement confortables et plus aisées font dire à plusieurs que la fin approche, que nous entrons dans l'ère de la fin des temps. D'autres diront que le dernier combat entre le bien et le mal est commencé, qu'il est préférable de se convertir, de se rapprocher de Dieu. Ça, c'est vrai, en tout temps, il vaut mieux se convertir et se rapprocher de Dieu, c'est vrai. Que la pandémie qui affecte l'ensemble des continents est un signe des temps, que Dieu est en train de nous parler. Mais attention, ne serait-ce pas là la tentation de penser pour Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées, disait Dieu. Que nous soyons dérangés, bousculés, très affectés par la situation qui nous touche, c'est compréhensible. Cependant, n'oublions pas qu'il y a des pays, des villes, des hommes, des femmes, des enfants, pour qui c'est l'enfer depuis des dizaines d'années et même plus. Dictature, guerre civile, famine, sécheresse, terrorisme, des enfants meurent de faim. Les traitements médicaux n'arrivent pas dans les pays qui sont les plus démunis. Je pense par exemple à cette maman qui témoignait, elle avait son enfant de 7 ans dans les mains, qui se tordait de douleur parce qu'il fouillait, il cherchait de la nourriture dans un dépotoir et il s'était coupé les doigts avec une canette et il avait attrapé le tétanos. La maladie le grugeait, il était en train de casser en morceaux ce pauvre enfant, il se tordait, la mère ne savait plus quoi faire, et pourtant, le vaccin existe. Mais ils n'ont pas l'argent, et ils ne se rendent pas dans ces endroits. Voyez-vous qu'il y a des enfants donc, qui meurent dans des atroces de souffrance, et en Occident, la nourriture est abondante, mais elle n'arrive pas souvent dans l'hémisphère sud. Disions-nous pour les pauvres qui vivent ça depuis des années, ça doit être Dieu qui prépare l'Apocalypse, qui prépare la fin des temps. Non, on ne disait pas ça. On n'était pas touchés personnellement. Hein? On disait, pauvres autres, on ne sait pas quoi faire, mais en réalité, pour eux, là-bas qui vivaient ça, seul l'était, c'était très difficile. Et ce qui rendait la chose encore plus difficile, c'était notre indifférence. On ne peut rien faire pour eux. C'était notre indifférence qui les blessait, qui les tourmentait. Pour eux, c'était un véritable enfer, et ce l'est encore, parce que ce n'est pas au passé, c'est encore au présent. Et puis, il y a eu certains groupes fondamentalistes qui criaient à la fin des temps, lors du tsunami de Thaïlande, c'était en 2003. Écoutez, d'un seul coup,
par ce tsunami, c'est 230 000 victimes. Actuellement, juste au Québec, on parle de 10 100 victimes de la pandémie, ce qui est terrible, ce qui est atroce. C'est un chiffre énorme. Mais quand même, un tsunami, 230 000 victimes. Un autre aussi, le terrible tremblement de terre en Haïti qui a eu lieu, c'était en 2010. Écoutez, 230 000 morts et autant de victimes, de blessés. D'autres disaient aussi à ce moment-là, des fondamentalistes, ça y est, c'est le jugement, c'est la fin des temps, tout ça, les catastrophes se multiplient. Et on rajoute à ça celle du 11 septembre, les tours qui s'effondrent, ça y est, c'est la catastrophe, la fin du monde arrive. Mais en même temps, ça ne nous touchait pas directement, nous autres, en Occident. On était confortables. Nous n'avions pas vraiment cette crainte. On se disait, ah, ben, ça arrive là-bas, c'est là-bas. On était un peu spectateurs de tout ça. Puis souvent, on était vite distraits par la tentation de penser à notre prochain achat. Faut que j'aille faire un épicerie. Faut que j'aille m'acheter une télévision. Et pourtant, ces gens-là le vivaient, l'enfer. Ils vivaient la faim. Et cette fois, avec la pandémie, maintenant, ça ne nous touche plus personnellement, regardons ça, et on impute à Dieu que c'est sa colère qui est en train de nous frapper. C'est drôle, on ne disait pas ça quand ça frappait les autres, mais là, parce que ça nous frappe, on dit ça tout d'un coup. La colère de Dieu est en train de nous frapper. Voyez-vous, notre vraie tentation là, serait de donner des motifs à Dieu, de prétendre que son jugement va tomber, qu'il séparera les justes et les injustes. Attention, ça arrivera un jour, mais ce n'est pas si simple que ça. Dans l'Évangile, il est justement question de tentation. Jésus, après avoir été baptisé par Jean, est poussé par l'Esprit Saint au désert. Et pendant 40 jours, hein, une quarantaine, il sera tenté par le diable. Le diable tentera Dieu en Jésus. Mais Dieu n'est pas au service du mal. Il n'est pas au service de la corruption. Il n'est pas au service de la gloire des hommes. Non, ça, ce n'est pas la marque de Dieu. Il y a des événements dans la vie. Et si on est attentif, sans les imputer à Dieu, on a un message à retenir de ces événements pour être de meilleurs êtres humains. Dans la misère des autres, on peut devenir meilleur pour pouvoir savoir comment on peut répondre à leur misère. Vous savez, la vraie tentation, au fond, la tentation biblique par excellence, c'est de demander à Dieu des miracles. C'est de le réduire à faire des choses qui nous plaisent, nous. C'est de le mettre à notre service. C'est de lui imputer des motifs, des raisons, soit d'être heureux, soit d'être fâché. Les pharisiens sont venus trouver Jésus pour le tenter, pour le provoquer, lui demander des signes. Disait l'Évangile de Marc en chapitre 8. Donne-nous des signes. On est fort là-dessus, demander des signes. À la crucifixion, quand Jésus mourait sur la croix, on lui disait, si tu es Dieu, descends toi-même de la croix, on va avoir encore là des signes. On est fort, la tentation de demander des signes tout le temps. Satan, là, ne cesse pas de nous suggérer de faire de Dieu autre chose que ce qu'il est. De faire de Dieu quelqu'un qui résoudrait tous nos problèmes. Le combat de la foi, il n'est pas fini. Satan continue encore de nous proposer son idée de Dieu. Il est un maître dans la division et la confusion. Jésus nous invite à ne pas y consentir. Il faut refuser les images fausses de Dieu qui se propagent et qui se... un Dieu qui se fâche à la manière des hommes, qui se décourage à la manière des hommes. Non, nous avons un Dieu miséricordieux. Après les inondations du déluge, eh bien, voilà que Dieu, lui, il est tout proche de Noé. Et il va permettre, c'est ce qu'on a vu dans la première lecture, que toute la création retrouve la paix. Et puis, après le déluge, Dieu donne vie, donc, à la création. Et le carême, c'est de regarder Jésus nous parler de Dieu, nous parler de son amour de Dieu. Jésus, dans la prière qu'il nous laisse, dira, « Père, ne nous laisse pas entrer en tentation. » Entrer en tentation, c'est de,
comme je le disais, c'est d'imputer à Dieu toutes sortes de motifs. Laissons Dieu gérer ses affaires. Et puis nous, ce qui nous concerne, c'est de devenir les meilleures personnes possibles. Discerner la présence de Dieu pendant le carême, c'est de percevoir dans bien des choses, mais surtout de ne pas avoir la tentation de lui donner des intentions, de l'utiliser comme un Dieu qui se fâche à la manière de nous, les pauvres pécheurs. On est tellement fort pour faire des transpositions de notre caractère sur le caractère de Dieu. C'est de servir le Seigneur dans l'amour de son prochain, de la justice équitable pour les laisser pour compte. C'est de transformer mes actions. C'est de contrer ce que le mal détruit. Voilà ce que le carême me propose. C'est de vivre mon quotidien dans la confiance en Dieu, comme Jésus l'a fait. C'est de croire à son alliance d'amour. C'est de s'accrocher aux paroles du Christ. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Et quoi qu'il arrive de l'humanité, si nous sommes en Dieu, près de Dieu, au service de l'amour, nous n'avons rien à craindre. Amen. Si vous le voulez bien, nous allons redire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Mère, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, j'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé et à sa famille. C'est à nous aujourd'hui que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons en toute confiance prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde. Et nous répondrons après chaque intention, « Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. » Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de l'Évangile. Regarde avec tendresse, Seigneur,
les jeunes du monde entier. Que chacun et chacune trouve le chemin de l'avenir prometteur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Nous ajoutons à ces intentions vos intentions personnelles à la maison, vos intentions personnelles dans ce que vous vivez. Nous pensons à des personnes qui vivent toutes sortes de situations. Et nous demandons au Seigneur d'être artisan de paix, d'être témoin de sa bonté, de sa charité. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts, pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Fait que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de ta grâce, la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers.
voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, le Seigneur prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Pensons à des parents, pensons à des amis. Reçois-les, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Sur nos tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Bernadette, Saint Jacques, Saint Jean de Mata, Sainte Marguerite Bourgeois, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Nous allons redire ensemble cette prière que Jésus nous a laissée. Cette belle prière de notre Père, où justement, comme je le disais précédemment, nous lui disons, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, nous tournons avec Jésus vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que la tienne, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Eh bien, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous prenons quelques instants pour penser à des personnes pour qui cette paix ferait du bien, cette paix de Dieu ferait du bien. Portons-les dans notre pensée. Par du prophète en main.
Poursuivons notre prière. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Ceux et celles qui désireront faire un don à la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes à Montréal, vous pourrez à ce moment-là envoyer votre chèque oblitéré au nom de chapelle Notre-Dame-de-Lourdes au 1280 rue Péry à Montréal. Vous savez que ce temps est plus difficile au plan financier dans nos paroisses et ce sera bienvenu à vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons maintenant dans la paix du Christ. Alors nous allons exposer le Saint-Sacrement immédiatement après ce chant d'action de grâce. Oh.